feuille et plongeur à travers cette vitre de 38 cm d'épaisseur, et bien ils vont pouvoir très nettement, puisqu'ils vont bien se servir dans quelques instants. 38 cm d'épaisseur de carreau. Alors, il faut savoir qu'il y a un langage universel de plongeurs, que vous soyez d'Amérique, que vous soyez d'Afrique, que vous soyez de partout dans le monde, et bien on va pouvoir communiquer les uns avec les autres grâce au langage universel de la plongée. Alors, surtout, on évite par exemple de faire le pouce en l'air pour dire que tout va bien, parce que le pouce en l'air signifie qu'on a un souci, qu'il faut remonter à la surface. On va faire ce signe-là pour dire que tout va bien, pour que tout se passe bien, et qu'elle allait du coup nourrir les réels. Les réels, ce sont ces animaux, je vais essayer de me mettre un petit peu sur le côté pour que vous puissiez bien admirer. Alors, les réels, ce sont ces animaux qui ont un long nez de chien et qui ont cette longue queue avec à sa base des petits aiguillons venimeux. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un nourrissage qui va se passer au niveau du fond du bassin. Il y a de nombreux animaux qui vont manger en surface, mais pour les réels, on va venir faire ce qu'on appelle un enrichissement. On va venir en fait cacher des petites amandes de mer, des coques directement sur le fond du bassin. Et donc elle va les chasser pour qu'en fait les réels avec leur nez viennent les dépuster. Alors, grâce à quoi ces réels peuvent dépuster finalement ces amandes de mer? Eh bien, elles sont équipées d'ampoules de l'orénisonique, elles sont à la base de leur gueule, c'est des petites capsules de gel, et elles vont pouvoir détecter les champs électriques émis par les poissons. Elle va venir chercher un nourrissage dans tout le monde. Elle va nous proposer à peu près 6 kg de nourriture cet après-midi. Donc, tous les jours, les soigneurs viennent dans ce bassin pour donner à manger à nos réels. Donc elle va avoir 6 kg d'amandes de mer qui vont être déposées. Et il faut savoir aussi que chaque jour, il y a 1,7 kg qui est donné à la surface pour ces mêmes animaux. Alors on a ici, pour cette espèce-là, 5 réels. Et donc, les 6 kg et 1 kg 7 par jour sont le ensemble de nos vies. Dans ce bassin-là, eh bien, on a 5 espèces de raies, donc la réelle, mais on a aussi, par exemple, d'autres raies, dont la raie montagéante qui est juste ici, hein, donc c'est une raie montagéante océanique, qui fait du coup 4 mètres d'envergure d'une aile à l'autre et qui pèse à peu près 500 kg. Alors, c'est un jeune mâle qu'on a prénommé Charles. En référence au Jasmine Ray Charles, un petit peu de rouge chez les soigneurs. Et cet animal, eh bien, il va venir chercher sa nourriture en fait, directement à la surface auprès de sa soigneuse Mélanie. Donc, vous pouvez voir sur les images qui sont sur la gauche et la droite. Elle va être munie d'un petit bol bleu et à l'intérieur, elle va mettre du plancton, donc une petite crevette. Et elle va lui déposer devant la gueule à chaque passage avec les deux cornes que vous voyez sur au niveau de sa tête, et bien en fait ce sont des agents céphaliques qui vont lui servir à dérouler et enrouler et donc diriger la nourriture vers sa gueule. On va donner à Charles 10 kg de plancton par jour. C'est le plus gros animal du bassin, mais c'est aussi le plus grand mangeur. Alors ensuite fait, vous avez aussi tous les poissons blancs, hein. C'est tous les animaux qui sont tous rassemblés les uns avec les autres, hein, que ce soit les sardines, vous avez aussi les carottes royales là-bas sur le côté à gauche, et également les patates qui sont juste ici au-dessus de moi. Ces poissons-là, on va leur donner à manger à la volée, on va en distribuer de part et d'autre du bassin. Et du coup, on va donner sur ce grand bassin chaque jour 60 à 80 kg de nourriture. Alors, je vous ai pas dit, mais ce bassin il représente l'écosystème de Malpelo. Hein. C'est une île qu'on retrouve à 500 km des côtes de la Colombie et qui fait partie de la zone de la haute mer, donc qui se trouve au-delà des limites des pays. Et en fait, chacun va pouvoir utiliser cette partie de l'océan. Malheureusement, c'est un espace qui est menacé et fragilisé.
Alors, vous voyez, on a aussi une espèce donc de requin gris dans ce bassin. On a 5 mâles et 2 femelles. Et les requins, contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, ils ne vont pas forcément manger beaucoup. Hein. Ce n'est pas des grands mangeurs. Hein. On a vu que ces animaux étaient souvent représentés dans les films comme des gros mangeurs et surtout des mangeurs d'os, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, sachez que les requins vont attaquer mortellement 5 à 10 personnes par an. De manière non volontaire, bien sûr. Donc les requins, ils vont manger à peu près 2% de leur poids par semaine. Donc ça fait à peu près 1 à 2 kg de poisson pour un requin. Donc, ce qui est finalement très peu.
Thank you.